Un de mes rôles, c'est d'assurer le lien entre le conseil d'administration puis la permanence, donc tout ce qui se passe sur le terrain versus aussi l'ensemble de nos administrateurs. Donc, on a différentes rencontres avec mon président. J'ai une rencontre mensuelle avec lui, plusieurs petites rencontres aussi où est-ce qu'on va pouvoir se parler du day-to-day, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'organisation. Donc, comme je suis les yeux et les oreilles du conseil d'administration, mais vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Par contre, une fois par mois, il y a une rencontre de conseil d'administration où est-ce que les 9 administrateurs sont présents. Moi, le directeur gérant aussi, où est-ce que vraiment on fait le tour et on s'assure que la mission, les règlements et tout est respecté. Bienvenue à cette rencontre mensuelle du conseil d'administration des Voltigeurs. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points qu'ils voudraient ajouter à l'ordre du jour? Les Voltigeurs de Drummondville, c'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis 37 ans maintenant. On est 9 administrateurs bénévoles avec un délégué de la ville de Drummondville. Enfin, en plus de moi, comme président, il y a Louis Bourseau, gouverneur. Louis Bourseau travaille pour une compagnie de Victoriaville dans les fournisseurs funéraires. Stéphane Leblanc, qui est le VP hockey, sa propre entreprise pas loin de Drummondville. Mario Lambert, qui est VP événement, sa propre compagnie aussi d'aménagement paysager. Il y a Danny Lemaire, qui travaille chez Deloitte, donc qui est notre trésorier. Daniel Lebel, qui est ingénieur chez BRP. Geneviève Pelletier-Normand, qui est notaire à son compte, qui s'occupe de tout le volet légal. On a Daniel Dumaine, qui est coordonnateur, ou plutôt directeur des ressources humaines à la Commission scolaire des chaînes. Donc, tout le volet ressources humaines est sous la responsabilité de Daniel. Il y a aussi François Yvon, qui est directeur pédagogique au Collège Saint-Bernard. Hervé Janel, directeur compte commercial à Caisse Populaire des Jardins de Drummondville. Puis le représentant de la ville de Drummondville, Jonathan Gay. Donc, on a 11 réunions par année qui sont cédulées toujours le troisième mercredi de chaque mois. Les réunions se font pas mal toujours de la même façon. Donc, il y a un retour sur le dernier mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois? Qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois? Autant au niveau hockey qu'au niveau opérationnel. Donc, le directeur général Stéphane Desroches puis le directeur des opérations David Bois sont présents à chacune de nos réunions et ils font leur rapport. Il y a aussi, on fait un retour sur l'ensemble de nos activités de financement. On a 4 activités de financement majeures durant l'année. Mario Lambert va nous présenter chacun de ces événements-là. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on en est rendu dans la vente? On a-tu besoin d'aide des gens du conseil d'administration? Donc, essentiellement, là, puis les finances, évidemment, tous les mois, on regarde les états financiers, où on en est par rapport au budget, par rapport à l'an dernier également. Donc, Danny Lemaire fait son rapport. Donc, essentiellement, nos rencontres tournent autour de ça. Ça débute vers 5h30, ça se termine en moyenne peut-être vers 9h, 9h30, une fois par mois, de façon officielle. Il y a quelques rencontres aussi de façon ponctuelle aux besoins au niveau de l'exécutif, mais essentiellement, c'est comme ça que nos réunions se déroulent. Donc, un proposeur et un secondeur pour l'ordre du jour modifié, M. Leblanc, M. Janel. Merci. Merci. Au quotidien, on a 2 directeurs, David Bois au niveau des opérations et Stéphane Desroches au niveau hockey. Tout le volet opération, gestion quotidienne de l'équipe, excluant le hockey, David Bois s'occupe de ça et dans le besoin, il se réfère à moi ou aux gens du conseil d'administration. Si David a besoin de support au niveau ressources humaines, il se réfère à Daniel Dumaine qui est notre responsable à ce niveau-là. Au niveau finance, Danny Lemaire. Mais au niveau opération, dans le fond, high level qu'on pourrait dire, là, moi et David, on intervient beaucoup. Moi et David, on se rencontre une fois par mois de façon régulière. C'est dans le calendrier, mais après ça, au besoin, avant les matchs, je passe au bureau, il y a des choses à régler, ou bien David a des besoins spécifiques, il va faire appel à moi. Au niveau hockey, bien, Stéphane Leblanc est directement impliqué avec Stéphane Desroches dans des problèmes de glace, il y a des problèmes d'autobus, etc. Avec Stéphane Leblanc, Stéphane Desroches va se référer à lui. Là. Une des réunions les plus importantes qu'on a, c'est celle qui est en début de saison, donc on parle de celle du mois d'août, où on va faire la planification globale de l'année, tant au point de vue financier qu'au point de vue hockey. Donc chacun des directeurs, David et Stéphane, nous amènent leurs objectifs financiers pour David et hockey pour Stéphane. On en discute en conseil d'administration, c'est adopté. Donc, tant ou si longtemps que durant l'année, il n'y a pas de changement par rapport à ça, on n'a pas vraiment besoin de revenir sur ce plan-là. Il y a aussi, depuis 2012, on s'est doté d'une planification stratégique qui est revisée à chaque 3 ans. Donc, on a fait une planification stratégique 2012-2015, 2015-2018. Là, on est dans le 2018-2021. Donc, mensuellement, on revient sur ces éléments-là qui ont été soulevés par l'ensemble des employés, les gens qui ont participé à l'élaboration de la planification stratégique. Donc, un proposeur et un secondeur avec cette correction-là, M. Lebel et M. Lambert. Merci.
Ça va bien? Ben oui, bien. Salut, c'est Max pour la capsule Quand ça compte. Aujourd'hui, avec Nicolas Baudin. Salut! Salut, ça va bien? Oui, on a revêtu nos plus beaux habits ici à l'école de karaté Kung Fu. En fait, c'est sur la rue d'Orion, 140 d'Orion, juste à côté du centre Marcel Dionne. Et aujourd'hui, on ne sera pas tout seul, parce que si on était tout seul, on ne connaît pas faire ça. On va être accompagné par Maïka, salut! Mais aussi par Yannick Benoît, qui est le propriétaire ici. Merci beaucoup, Yannick, de nous recevoir. Bonjour à tous, merci. OK. Là, si on veut savoir quoi faire, il faut absolument se tourner vers toi ou Maïka parce que ni un ni l'autre, on sait dans quoi on s'embarque aujourd'hui. C'est le fun, c'est le fun. Il n'y a personne qui va avoir un avantage sur l'autre. Non, ça, c'est... Bien, il est peut-être plus en forme que moi. Un! Et neuf avec le pied. Excellent! Bravo! Et on est fort! Vous êtes bon déjà, là, pour une deuxième fois, c'est bon. Yay! Alors, 1-0, on va adieu! Non! Bien! Il nous reste à peu près 15 secondes. Adieu! C'était bloqué, par exemple, Maxime. Bravo. Hey, yamé! Yo, combat terminé. Bravo, Maxime. C'est, écoute, si je compte le nombre de coups de pied, je pense que tu as gagné. C'est un peu comme le nombre de tirs au but qui a été bloqué, mais quand même, tu avais plus de coups de pied. Malheureusement, Nicolas l'emporte 2-0. Hein. Il y a eu deux bons coups de poing au ventre. Pas de blessés, que du plaisir. Ouais. C'était quand même... Comment vous avez trouvé ça comme expérience? C'est bien? C'était très cool. Ouais, c'est un combat sportif. Tu sais, je pense que c'est le fun d'apprendre juste un nouveau sport. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé faire ça. Fait. Venir ici, c'est vraiment apprécié puis c'est très gentil. Ouais, c'était vraiment le fun, ça. Ouais, c'est cool. Ben, félicitations. Merci à tous. D'avoir gagné le combat. 2-0. Ouais. Un combat de 30 secondes. Ouais, c'est le fun. Chance que t'as pas les périodes de 20 minutes, d'aurais mangé une 500. T'as-tu aimé ça? Ouais, pour vrai, j'aimais ça. Tu sais, je pense que ça fait changement du hockey, un sport d'équipe. Là, c'est plus un sport individuel. Tu sais, pratiquer des petites techniques. Fait que, ouais, c'était bien le fun. Ouais, c'était vraiment bien. Écoute, j'aimerais ça qu'on revienne ensemble sur deux, trois trucs. On n'a pas eu l'occasion de s'en parler tant que ça. T'as été faire un petit tour à Chicago quand même. Ça devait être le fun, ça. On s'entend. Quel souvenir t'en gardes? Tu sais, j'en garde vraiment le souvenir que c'est pas évident de se rendre là. Je pense que tous les joueurs qui sont là, c'est vraiment des bons joueurs de hockey. Moi, quand je suis allé là, je voulais vraiment rencontrer un gars qui s'appelle Duncan Keith, un défenseur des Blackhawks. J'ai vraiment appris de lui. Puis, tu sais, comme je te disais, c'était vraiment une belle expérience. L'esprit d'équipe a l'air bon aussi. Vous avez l'air d'avoir du fun ensemble. Quel genre d'activité vous pourriez faire ensemble, là, mettons, en dehors, dans vos temps libres? De temps en temps, il aime ça aller, que ce soit jouer au bowling, jouer au laser tag aussi. Je pense que tu as fait une activité aussi avec Dawson. Là. Mais tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça que les gars, on aime ça être ensemble. On vient à l'aréna pour travailler les uns pour les autres. Puis je pense que c'est ça qui fait notre esprit d'équipe. Puis comment se passe la cohabitation? Je pense que c'est avec Veleno? Oui, avec Joe. Ouais, comment il est? Ouais, ça va bien. C'est Joe, je pense que c'est vraiment une bonne personne. C'est un bon gars. On passe souvent de hockey. Mais s'il fait ses affaires, je fais mes affaires. Puis le soir, quand on a un petit peu plus de temps, on parle de la game. Puis ouais, c'est le fun d'être avec lui. Puis quand vous partez sur la route, c'est pas parce que tu es avec un à la maison que tu vas être avec lui à l'hôtel? Non. Ça change. T'sais, c'est les coachs qui décident pour les coachs embroueurs sur la route. Moi, je suis avec Michael Ivan. OK. Fait que c'est mon partner sur la patinoire. Fait qu'on apprend à se connaître encore. Là, mais c'est bien le fun aussi d'être avec lui sur la route et d'apprendre à le connaître. Si c'est les coachs qui décident, c'est parce qu'ils essayent de mettre, mettons, un malcommode avec un calme pour essayer de balancer. Là. Je te dirais, la plupart du temps, ils vont pas mettre deux malcommodes ensemble. OK, ouais, ils savent, là, j'imagine. Ouais, bien qu'on le sait. Exact. Fait que qui est malcommode?
Je peux pas nommer de coéquipier ici. J'ai essayé très fort. ça a pas marché, mais j'ai essayé fort. C'est quand même assez rare de voir un joueur, tu sais, ben assez rare, tu sais. C'est pas si commun que ça de voir un joueur passer presque toute sa carrière junior dans une seule et même équipe. Tu vas être content de ça? Oui, tu sais, je suis assez content, c'est sûr. En plus que Drummondville, c'est proche de Châteauguay, c'est proche de où j'habite. Mais tu sais, quand je suis arrivé à 16 ans, on n'avait pas la meilleure équipe. À 17 ans, ça s'est amélioré. 18 aussi, de 19, on a une grosse équipe. Fait que c'est sûr que ça a été le fun. Aussi, j'ai la même pension depuis que j'ai 16 ans. Fait que je fais comme partie de la famille en ce moment. Fait que ça aussi, c'est très amusant. Bien, on vous souhaite bien des bonnes parties de hockey. Merci beaucoup. Merci. Plaisir aujourd'hui à l'école de karaté Kung Fu. C'est sur la rue d'Orion, tout près du centre Marcel Dion. Venez faire votre tour. Écoute, Nicolas et moi, on était des débutants il y a une heure et demie à peine. Puis là, on est, on est rendu là, vraiment bon. Ça a porté tout le monde. C'est plaisant. Venez faire votre tour. Nous autres, on se retrouve à la prochaine capsule quand ça compte. Salut! Début des séries, quand on commence la saison régulière, ce qu'on sait, c'est quand elle va terminer. Ce qui est le fun des séries, c'est qu'on sait jamais quand ça va se terminer. Fait qu'à chaque soir, on se prépare un peu en se disant c'est peut-être la dernière fois ou l'avant-dernière fois qu'on le fait. Donc là, ce qui est le fun, c'est une bonne vibe. On pense qu'on va le faire pour plusieurs matchs, mais c'est vraiment le fun. C'est une saison dans la saison, c'est l'après-saison. Donc les séries 2019, ça va être quelque chose d'intéressant. Dans tout le setup, c'est sûr, là, on a des choses spéciales qui sont faites juste pour les séries. Donc, des nouveaux partenariats, une présentation d'eux, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'affaires qu'on a préparées seulement pour les séries 2019. On peut compter sur une belle foule. Je pense que dès ce soir, le premier match, on va être complet. Et je pense qu'on va être complet pour toutes les séries. Donc, c'est hyper intéressant. On sait quand le centre Marcel Dion est plein, c'est le fun. Donc, c'est le fun aussi de préparer des activités pour ça. On s'apprête à faire actuellement, c'est préparer la cérémonie qui va précéder le premier match des séries éliminatoires. Partout dans la Ligue, il y a des honneurs qui vont être remis avant le premier match éliminatoire. Au total, c'est 8 trophées très prestigieux qui vont être remis. Et les voltigeurs ont la chance cette année d'en avoir pas un, mais deux, comme vous pouvez voir. Je pense que un des joueurs en tout cas qui va le recevoir, le sait même pas encore. Fait que je vous le dirai pas tout de suite, mais vous allez le voir tantôt. Ça fait partie des choses qui sont un peu différentes dans le cadre des séries. Avant le match, il y a eu quelques ajustements aussi à faire en fonction du début des séries éliminatoires. Le spectacle va être un petit peu différent, la vidéo d'ouverture est différente, il a fallu faire des tests de son à la régie. Également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajusté nos éclairages pour qu'à la fin du match, juste en pesant sur un bouton, on soit capable d'aller chercher cette nouveauté-là qu'on a affichée au mur. C'est quelque chose qu'on a décidé d'incorporer pour nos partisans. C'est quelque chose qu'on trouvait super intéressant, qui nous permet de garder un peu une évolution de comment vont les séries. Puis ça va être aussi une trace permanente des séries des voltigeurs dans le centre Marcel Dion pendant cette période-là de l'année. Donc, super intéressant comme innovation, mais ça demandait quelques ajustements. On va avoir aussi, juste en avant du banc ici, une petite cérémonie toute spéciale, toute différente, avant le début du show là, des séries. Et ça aussi, ça nécessitait quelques tests, quelques ajustements. Donc, tout ça, ça a été fait, là, je dirais, 40 minutes avant l'ouverture des portes. Une saison exceptionnelle. Les voltigeurs ont le plaisir de voir non pas un,
mais bien deux honneurs être remis ici même ce soir. Premièrement, le trophée Guy Carbonneau, qui est décerné au meilleur attaquant défensif de l'année. L'attaquant récipiendaire en est qu'à sa première saison avec les Voltigeurs, mais est un vétéran de la LHJMQ. Avec leadership, il s'est servi de son expérience pour contribuer à conduire l'équipe vers les succès qu'elle a connus cette année. Ce faisant, il a cumulé pas moins de 80 points depuis septembre, dont 28 buts. Il a mis un terme à la saison 2018-2019 avec un impressionnant différentiel de plus 54. Pour toutes ces raisons, il a été sacré attaquant défensif par excellence de la LHJMQ cette année, le numéro 28, Félix Lauzon! Félicitations, Félix! Place maintenant à la remise du trophée Luc Robitaille. Cet honneur est remis à l'équipe qui a inscrit le plus de buts au cours de la saison régulière. En route vers une fiche de 52 victoires en 2018-2019, l'offensive des Voltigeurs a fait des ravages aux quatre coins de la LHJMQ en filant pas moins de 338 buts cette saison. C'est 18 de plus que leur plus proche poursuivant à ce chapitre, total bon pour une moyenne qui s'élève à près de 5 buts par match. Rappelons qu'à la même période l'an passé, nos Rouges recevaient le même honneur avec 277 buts pour la campagne 2017-2018. Ainsi, le trophée Luc Robitaille, récompensant la meilleure offensive du circuit Courteau, revient de droit, et ce pour une deuxième année consécutive, à nos Voltigeurs! Afin d'accepter le trophée, le capitaine Nicolas Gay. Félicitations à Félix Lauzon et à toute l'équipe pour cette saison exceptionnelle! Aux meilleurs partisans de la LHJMQ, nous vous disons bonne série éliminatoire 2019 et bon match, mesdames, messieurs! Pour le match de ce soir? Ils ont gagné, c'est sûr. Par le score de? De 4 à 2. Une victoire des Rouges. Combien? Ah, 6 à 1. 6 à 1? On va y en donner un. Est-ce qu'on gagne la série? Ah oui, évidemment. Combien de temps? 4, mais ça va être difficile à Gatineau. Hein? Là-bas, on n'a pas eu une bonne saison là-bas, mais écoute, les gars sont en mode série, je pense qu'ils vont remporter ça à 4-0. On va gagner. Ben, ça va être 4-2 pour les Voltigeurs. 4-2 pour les Voltigeurs? Ouais. Prédilection pour l'ensemble des séries? Oui, en 4. En 4 matchs? Oui, en 4 matchs. Ben, c'est sûr qu'on va gagner, d'après moi, 7 à 2. 7 à 2 à soir, puis on gagne la série en 4.
Une victoire de Drummondville. Une victoire de Drummondville? Oui. Sur la marque de 6 à 1. 6 à 1? Oui. Vos prédictions pour la série au complet? En 4. Oh, je pense que votre joueur devrait amener, apporter ça 5 à 1. 5 à 1? Oui. Votre prédiction pour la série au complet? Ah, il devrait gagner ça en 4, je suis pas mal sûr. Oh, oui. 4-0 pour les Voltigeurs. Les Voltigeurs? Ben oui. Pour le match de ce soir, les Voltigeurs vont l'emporter? Oui, 9 à 1. 9 à 1? Oui. Est-ce que tu penses qu'ils vont remporter la série? Oui, en 4. Si nous sortent ça comme le dernier match, ça va être une game relativement facile, 4-5-0, 4-5 à 1 peut-être. Est-ce que ça va refléter la série? Ta prédiction, ça va ressembler à quoi? Écoute, je suis aussi curieux de le savoir. L'allure du match aujourd'hui, d'après moi, va nous donner l'allure de ce qui va s'en venir après. On va voir si l'équipe est bien préparée. 6 à 1, Voltigeur. Est-ce qu'on gagne la série? Oui, en 4. En 4? Ouais. Confiant? Confiant. Tu penses qu'ils vont remporter par quel score? 3 à 1. Ouais. Est-ce qu'on va gagner la série? Oui, en 6. Votre joueur préféré et pourquoi? Ben moi, un joueur préféré, c'est sûr, regarde, ils aiment toute la gang, là, mais Courtois, il fait la différence. Puis quand il est allé jouer en haut à la LNH, puis tu le regardes aller sur la patinoire, il est à l'aise, puis c'est un bon bonhomme, c'est un jovialiste. Puis c'est un bon joueur de hockey. Il fait des bonnes mises en échec légales. C'est mon joueur, c'est Courtois. Maxime Courtois, le 44. Ah, Maxime Courtois. Notamment, pourquoi? Ah, écoute, c'est un gars qui apporte de l'énergie, d'expérience, dynamique, puis c'est un gars qui est toujours là à 100%. Ben, Léno. Léno, ouais. Parce qu'il est rapide avec la rondelle, il est talentueux, il va mettre les gens avec la rondelle. C'est Comtois. Comtois? Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Ben, je l'ai vu jouer à Victoriaville, puis il a joué dans la Ligue nationale, puis un très bon joueur. Comtois, je pense qu'il s'est démarqué, là, les games qui étaient là. Là le... ouais. Simono. Simono? Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est lui le meilleur. Véleno, Comtois. Ouais. Bon. Sans toute raison. Sont bons. Sont bons? Joe Véleno. Joe Véleno, pourquoi? Parce qu'il est bon et il va faire 4 buts ce soir. Maxime Comtois. Maxime Comtois, pourquoi? Le meilleur compteur. Oui. Mais Comtois. Maxime Comtois, pourquoi? Oui. C'est juste un vrai homme. C'est un gros bonhomme qui frappe et qui est capable de scorer des buts. Moi, c'est Joseph. Joseph. Pierre-Olivier? Ça? Joseph? Oui. Parce qu'il joue bien, j'ai pas vraiment de raison, je le trouve bon.
En file indienne. Fier de faire rayonner notre communauté.